Good morgen, Aleiden, les choses aujourd'hui, le Nishmat, Avraham, Mordechai, Ben Israq, Befam, Vefani. Si vous souhaitez, vous aussi, des yeux, une prochaine, Dieu de Mishnah, comptez les 5 minutes éternelles, nous étions, Masrat Moed Katan, Ferry Gimel, Mishnah Gimel, Ve Elu Kotvin Bamoed, Kidushé Nashim, Gitin, Ve Shovarin, De Yatiki, Matana ou Prosbolin, Igrot Shum, Ve Igrot Mazon, Shtare Khalitsa, Umeunim, Shtare Birurin, Uxerot bet din ve'igrot shel reshut. On va découvrir à présent les choses qu'on a le droit d'écrire pendant Chol HaMoed. Soit à Chol HaMoed, tout d'abord, il y a un interdit d'écrire. D'accord? C'est interdit d'écrire. Sauf que, selon le même principe, tout ce qui a risque de perte, on a le droit d'écrire. D'accord? D'où, maintenant, la Mishnah va nous évoquer 13 exemples. Je les ai comptés pour la première fois pendant la Mishnah. Qu'en 13 cas de choses, qu'il y a un risque de perte. Si tu n'écris pas tout de suite, si tu repousses l'occasion, tu risques de perdre. Donc on te permet d'écrire tout de suite. En l'occurrence, Velo Kodvin Bamoed, telles sont les choses que l'on écrit, qu'on a le droit d'écrire pendant la Moed. Kidushé Nashim, un shtar pour marier une femme. Pour marier une femme, on n'est pas obligé de donner une bague, on peut aussi le crier, Arayat Mugune Chatelé, Beshtar Ze, Kedat Moshebe Israël, et on le lui donne. Donc maintenant, si on n'a pas l'occasion, on n'a pas d'argent sous la main, lui donner, ou on a envie de lui écrire un shtar. C'est le seul moyen de... Maintenant, quand on parle de marier une femme, attention, il faut savoir, c'est la partie fiançailles, qu'à l'époque, pendant la partie fiançailles, on achetait la femme. C'était déjà une femme mariée, sauf qu'on n'avait pas encore le droit de vivre avec elle. Comme ce qu'aujourd'hui, on fait les kiddushin, donc on donne la bague, et puis après, on fait la choupa, où enfin, ils vont s'unir, ils vont s'isoler ensemble. Mais à l'époque... La partie kiddushin, c'était fait avec quelques mois d'écart, peut-être un an, le temps que, d'abord, on mariait, on achetait, on acquérait la femme comme se fiancer, puis maintenant, si jamais elle avait un écart ou quoi que ce soit, c'était un enfant dans les airs, mais malgré tout, ils ne vivent pas encore ensemble. Elles restent chez elles comme des gens fiancés. Donc ça, maintenant, c'est kiddushin. Si tu ne sauves pas l'occasion, si tu ne sauves pas sur l'occasion de la marier vite, tu vas reporter l'échéance, peut-être qu'après, elle ne va plus vouloir. Et pourquoi rentrer dans ça? Donc tu as le droit de la marier vite. Idem aussi, Gitin, divorcer une femme. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? En fait, le partenaire, il nous rapporte. Ça dépend. Et des fois, par exemple, un mari doit partir en route. La arrête, il doit partir travailler pendant quelques années à l'étranger. Sa femme, elle va rester ici. Maintenant, allez savoir, avec la communication d'époque, allez savoir s'il va revenir, s'il va réussir, si... On peut... La femme, elle veut recevoir son guet tout de suite. S'il revient... Ils envisageront peut-être de se remarier, là n'est pas la question, au moment que s'il ne revient pas, au bout de X temps, qu'elle pense déjà à reconstruire sa vie quand même, la pauvre. Donc du coup, lui maintenant, il ne peut pas attendre après les fêtes pour partir, parce qu'il y a tout de suite, vous savez, quand il fallait partir à l'étranger, il y avait des chayarot, des, oh ça m'échappe de nouveau le mot, des caravanes, je ne sais plus, il y avait un, bon bref, il y avait en tout cas des groupes qui partaient, qui traversaient le désert, qui traversaient la mer, et donc du coup, il faut partir tout de suite, donc il doit écrire un get tout de suite. Il a le droit d'écrire pendant Chol HaMoed. Veshovarin, shovar, c'est un reçu. Soit, j'ai une dette. Moi, je t'ai emprunté de toi 2000 shekels. Je dois venir payer tout de suite. Maintenant, viens, les gens arrivent. T'as pas le contrat à me rendre. Quand j'emprunte de l'argent, j'écris un shtar. D'accord? Lorsque je viens payer ma dette, tu dois me rendre. Tu ne l'as pas sous la main, au moins, tu dois au moins m'écrire un reçu. Maintenant, si tu refuses de m'écrire un reçu, moi, je ne laisse pas mon argent chez toi, avec en plus de ça la possibilité de te faire payer une deuxième fois, parce que tu as gardé le papier dans la main. Donc du coup, on a le droit pendant Chol HaMoed d'écrire un shovar. Sinon, peut-être que je risque de disparaître après Chol HaMoed, j'ai l'occasion maintenant de rendre l'argent tout de suite, à cause que tu écris un reçu, donc tu as le droit d'écrire le reçu. Diatiki, c'est une matanat shriv mera. C'est lorsque quelqu'un est agonisant et qui veut faire des. Il veut partager ses biens avant de mourir. Ça, c'est donc de nouveau, ça s'appelle un diatiki, c'est qui veut dire je vais donner cette chose-là, cette chose à cette personne, et ça, ça, et ça, et ça. Idem aussi, bien évidemment, c'est de vara aved, parce que la personne elle-même, elle va se perdre bientôt. Matana, c'est faire un cadeau, quelqu'un qui m'a promis qu'elle allait me donner quelque chose. Maintenant, on a envie de concrétiser ça tout de suite, parce que si on attend une semaine, peut-être qu'après il va commencer à. C'est-à-dire oui, non, non, oui. Donc, t'as dit que je vais me donner, viens, on conclut ça tout de suite. Prosboulin, c'est le prosboul, c'est ce qu'on va en avoir besoin bientôt, avec la fin de la Shemitah. C'est
un procédé par lequel, dans la septième année, à la fin de la septième année, toutes les dettes qu'on a empruntées ou qu'on doit aux autres, elles s'annulent selon la Torah. D'accord? L'annulation des dettes à la fin de la Shemitah. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si un pauvre qui va venir me demander de l'argent maintenant, de lui prêter de l'argent, je ne vais pas accepter de lui prêter, enfin, je vais avoir peur, parce que là, c'est bientôt la fin de la Shemitah, et je risque de me faire avoir, ne plus récupérer mon argent. Du coup, il a instauré un procédé juridique qui va faire qu'on va écrire un contrat, que je te prête 3000 shekels, mais on va écrire un prosboule sur ces 3000 shekels, c'est un procédé qui consiste en fait à dire que l'argent que tu me dois, c'est pas, tu ne me le dois pas moi, tu le dois au Bedin, et Bedin, c'est aussi le droit de lui de récupérer l'argent. C'est un trafic qu'on a fait, de manière à ce que la juillet ne va plus annuler les dettes. Ça, c'est prosboule. Igrotchum, c'est lorsque quelqu'un me donne l'argent et qu'il ne paye pas. Alors, on va maintenant évaluer ses biens, on va dire, ah, ça, il a une maison de 1 million de shekels, on va écrire maintenant que pour cette maison, on l'a évalué à 1 million de shekels, comme c'est celui qui veut, il vient, il paye le million, et je lui donne ce shtar, la maison va être la sienne, et puis moi je récupère mon argent pour me faire payer la dette. Bigrot Mazon, c'est celui qui s'est engagé à nourrir sa femme et ses enfants, comme toute personne qui se marie, et puis après il ne paye plus, ou bien il est mort, et maintenant il faut, avec les biens qui restent, il faut payer les... il faut nourrir la femme et les enfants, eh bien, on va maintenant évaluer le champ, on va le vendre, et on va écrire une igrot mazon, une igret mazon, un papier, un certificat sur le bien, pour qu'on puisse, à partir de ce bien, nourrir la femme et les enfants. Shtare chalitza ou meunin. Shtare chalitza, c'est dans Yevamot, une femme qui, lorsqu'un homme décède sans laisser d'enfants, cette femme doit se marier avec le frère. Si le frère ne veut pas la marier, alors il doit lui faire la khalitsa. Une fois qu'on a libéré la femme avec la khalitsa, il faut maintenant lui donner le shtar khalitsa dans les mains, comme ça après elle peut partir avec quelqu'un d'autre. Et donc du coup ça on aura aussi de le faire si on a fait la khalitsa pendant Cholam Moed, on l'a fait avant, on n'a pas le temps d'écrire, on a le droit d'écrire, comme ça la femme elle est le plus rapidement possible libre pour pouvoir partir se marier avec le certificat acquis. Ensuite, Umeunin, c'est là, alors le Miun, c'est aussi une femme, cette fois-ci c'est une autre histoire, c'est une femme, une petite fille, qui n'avait pas de père, et que malgré tout, Chachamim ont permis à sa mère et ses frères de la marier à quelqu'un d'autre. Maintenant, ce mariage-là, ce sera un mariage que Midarabanan. Alors on lui a laissé la possibilité, lorsqu'elle atteindra sa majorité, de dire, de faire le Miun, de refuser le mariage, donc, et tout va se déraciner, tout va s'annuler, rétroactivement, elle ne sera plus mariée, mais, et après on va lui écrire que maintenant, sache que maintenant, on va lui donner un certificat comme quoi que c'est une femme libre, qu'elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Ou shtare berurin, là cette fois-ci c'est lorsqu'il y a un différend entre deux personnes qui doivent comparaître au Beit Din, ils doivent choisir qui sera leur juge, chacun choisit un, et après les deux juges ensemble, ils choisissent un troisième, ça s'appelle les shtare berurin, un shtar de berurin, où ils vont décider qui seront une berurut, où ils vont décider qui seront les juges. Et une fois qu'ils sont arrivés, en fait, à un commun accord, alors il faut se dépêcher d'écrire avant qu'ils reviennent en arrière. Ogzerot Bet Din et tous les décrets du Bet Din, d'accord, tout ce que le Bet Din va trancher contre une personne, pour une personne, pour... alors on a le droit aussi de les écrire parce que c'est de la Raved. Vegrot, Shel Reshut, et aussi plusieurs interprétations, deux interprétations, en fait, c'est quoi Vegrot, Shel Reshut? Les certificats du Rashut de gouvernementaux, en fait. Tout ce qu'on a pu te donner comme accord, tout ça, on a le droit d'écrire tout de suite. Oui, une deuxième interprétation qui consiste cette affaire à dire que toute lettre qui consiste à dire bonjour à son ami, c'est aussi quelque chose, tout ça on aurait de les écrire parce que c'est pour entretenir, si vous faites attention, le point commun, tout ça, c'est l'intérêt du Chol HaMoed, soit pour, parce que tu risques d'avoir une perte, ou soit tout simplement pour dire, pour saluer quelqu'un, par écrit aussi, tu as le droit de le faire pendant Chol HaMoed. C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Toub, Shalom.